Salut à tous et bienvenue, je m'appelle Monsieur Nuzuka 2B et aujourd'hui on se retrouve sur Batman Arkham Asylum, mon walkthrough pour la Super Team Game, et cette fois-ci c'est la part 9. Et sans plus attendre, on va reprendre, on s'est arrêté la dernière fois, qui était juste ici. C'est parti. C'est quoi ça? Oh, ça commence bien, il y a déjà un cadeau. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Voyons voir. Ah, d'accord, il y a des dents. Pas une grande menace. Ok, on a qu'à suivre les empreintes du docteur Young juste avant. C'est elle qui a ramassé les notes elle a ramassé les notes avant le Joker. Ça c'est plutôt cool. Mais à mon avis c'est pas fini. Hein. C'est jamais trop facile non plus. Ok, je suppose qu'elle est allée là. On y va. Hop là, une empreinte. Elle est passée par là. Oh bah. Hop là, c'est bon, j'ai trouvé. On suit, on n'a qu'à faire ça, de toute façon on n'a pas trop le choix, c'est le but de la mission. Ok, il faut aller là. D'après moi, elle se faisait suivre. Parce que pour qu'elle touche tout ça, putain. Je sais pas vous, mais. D'après moi, elle avait peur, quoi. Elle avait sûrement quelqu'un à ses trousses. Elle est pas là? Attendez, je vais me tromper. Ah non, c'est bon, c'est là, je suis bête. Excusez-moi. C'est là, y a pas de doute. Elle a caché ses notes ici. Voyons voir, bon, on continue, c'est par là. Ok, ça doit être ça. Oracle, j'ai la formule du docteur Young. Super. Ça veut dire que vous avez arrêté le Joker? Rien n'est si simple avec lui. Et qu'as-tu dans la Batman? Non, pas la formule. Qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais m'en sortir? C'est quoi? Et si c'était notre vieil ami, ça? Je suis tombé sur lui. Il revenait des jardins où il avait sûrement dû mettre en œuvre ses idées délirantes. Il peut peut-être la faire parler. Je crois qu'il peut y arriver. Super plan, Batman. Putain, le malade. Il a Joker à appeler ça en renfort. Cette espèce de fatigué du psychopathe du début. Là. Il se trouve où?
Ok, tout là-bas au bout. C'est parti, il faut aller vite sauver parce que sinon elle va se faire tuer par cette espèce de psychopathe là. Manoir Wayne. Comment? Attendez, c'est pas possible. Ah, j'ai compris. C'est bon, j'ai compris. Je vous dis rien. Vu que je connais le jeu, vous allez découvrir par vous-même ce qui se passe maintenant. Et vous allez vite comprendre qui est-ce. Je n'arrive pas à croire que tu aies encore voulu voir ce film, Rose. Viens, on va être en retard pour toi. Désolé, papa. Ne sois pas trop dur, Tom. Il adore. Alfred peut t'attendre. Allez, Bruce. Où est-ce que tu nous emmènes? On peut couper par là. Il commence à pleuvoir. Bruce est fatigué. On ne peut pas l'attendre ici? Allez, venez, on y est presque. Soir où ses parents sont morts. Allez, gamin, parle. Assieds-toi dans mon bureau. Il n'a rien. Allez, un enfant comme ça, avec tout cet argent, il ne pourra qu'aller bien. La ferme maintenant. Il a 8 ans et il est tout seul. L'argent ne réparera pas ça. Dites ce que vous voulez, Gordon. Son majordome est en route. Vous entendez? Il a un majordome. Désolé pour tout ça. Je dois seulement te poser quelques questions. Tu veux quelque chose? Tu vas bien? Je sais que tu n'as pas envie de le répondre, mais c'est le seul moyen d'attraper celui qui a fait ça. Pourquoi l'a-t-il fait, officier? Pourquoi? Je l'ignore. De cette ville, il y a quelque chose qui cloche. Et écoute, Tristan, appelle-moi. Ils sont forts. Ils croient que. Je sais pas si vous avez entendu. Ils croient que l'argent, ça remplace tout. Pas du tout. Et au contraire. Il a bien beau être avoir plein d'argent, mais il était seul, sans personne. On va être par là. Non plus. C'est par là, il n'y a pas trop de solutions. Ouais, c'est par là, pas toutes. J'ai compris, moi. J'ai compris déjà qui c'est. Bon, vous avez peut-être dû comprendre qui c'était. Mais on va le découvrir, je vais pas vous spoiler. On va découvrir ensemble. C'était quoi ça?
L'épouvantail, bien sûr. Je dois faire tomber, je suppose, cette caisse en haut. L'autre là-bas. Allez, descends, toi. Ensuite, je dois passer vite fait parce que regardez-moi ça, la vitesse où il vient avec son putain de machin là. Des malfrats, non squelette. Oh, c'est rigolo, il n'y a pas ici. Comme la dernière fois, comme la première fois que je l'ai affronté. Il faut trouver un bas de signal pour lui chacun dans la gueule et après c'est bon. Mais le problème c'est que le bas de signal est là-bas en haut quoi. Et il faut arriver jusqu'en haut avant qu'il vous repère quoi. Et sans se faire repérer, pardon, surtout. Vous repérez dans sa lumière, c'est bon, hein. J'y ai été. Voilà. J'attends. Vous devez toujours attendre. Ça ne sert à rien d'aller vite, donc surtout ici. Une facha comme ça en vrai, tu vois ça, un type comme ça en vrai, c'est bon, vous vous criez dessus. Regardez-moi ça, la tête qu'il a, ce machin, ce type. Ça ressemble à un type. Pourquoi il lâche pas, putain? Je voulais lâcher, putain, il lâchait pas. Allez-y, venez par là. Le bas de signal, il est là-bas au bout. Je sais pas si vous le voyez. Il est tout là-bas au bout.
que je passe sans qu'il aille. Déjà, faut pas qu'il regarde là. Et sans me prendre cette espèce de pendule dans la gueule. Au mieux qu'il regarde là-bas. Hop là. Putain de merde. Je vais pas avoir le temps. Je savais que j'allais pas avoir le temps. C'est impossible. Je suis certain. Tiens, prends ça, chérie. C'est fermé. Je dois descendre autrement. Et voilà. Bon, on n'a pas le choix, c'est par là. Pas de solution, c'est là qu'on l'a cassé, comme ça. Là, on n'était pas allé. Maintenant, on va pouvoir entrer. Jouer au chat et la souris. Hein. Essaie de passer, Batman, et je te fais griller! Voilà, c'est ça. Bon, attendez qu'il finisse de parler, lui. C'était comment? Tu as appris des choses sur toi? Oh, raconte, prends un siège, parle-moi, je t'écoute. Et voilà. J'avais cru entendre Zaz lui couper les oreilles. Ça en avait tout l'air. Reste où tu es, Batman, et écoute-moi bien. Si tu approches, je repeins la pièce en rouge avec son sang. Je sais que tu es là. Tu entendras bientôt son chant du cygne. Zaz, mais qu'est-ce que tu racontes? Tu l'as, point! Elle ne sert plus à rien. Mais si je la tue, Batman me tuera. Tu n'as quand même pas peur d'une petite chauve-souris? Recule, Batman! Je blague pas! Oui! Recule, Batman! Tu as assez de sang sur les mains, pas vrai? Je peux voir battre les veines de... Et voilà. Et c'est pas si compliqué. Espèce de monstre! Espèce de saleté de monstre! Il n'ira nulle part. Vous pouvez vous arrêter. Pardon!
J'ai vu Bane. Je sais. Le Joker m'a menacé. J'ai voulu mettre fin à l'expérience. J'ai voulu lui rendre tout son argent. Le Joker ne comprend pas qu'on lui dise non. Il veut une armée. Une force terrible pour annihiler Gotham. Mais c'est impossible sans la formule. Je l'ai caché, mais... Donc maintenant, il a le venin et votre formule. Mon Dieu, il en a des litres et des litres. Il y a un labo caché dans les jardins. C'est fermé à clé, mais les codes de sécurité de toute l'île sont dans le coffre du directeur. Le Joker prévoit autre chose ? J'en sais rien du tout. Vous pensez que tout ce qu'il dit a un sens ? Moi, je crois plutôt qu'il est fou. Oh mon Dieu ! Éloignez-vous ! Et merde. Eh oui. Je crois que le Joker, il est pas si malin. Le Joker, c'est un malade, c'est un futé méga bidou. Mais tu sais bien que Monsieur J déteste les balances. Tiens, en parlant de balances... Et ouais, ce vieux taré croit dur comme fer qu'il dirige cet endroit. C'est démentiel. Bon, j'ai plein de choses à faire. Les gars, s'il se relève, assommez-le, mais pas trop fort. Monsieur J a besoin de lui à la soirée. Oracle, Jung a été tué. Vous savez contourner ces portes de sécurité ? Avant qu'elle meure, elle m'a dit qu'il y avait un laboratoire caché dans les jardins. Les protocoles de sécurité Wentech résistent au piratage. Lucius a bien bossé. C'est une séquence biométrique en deux parties générée par le directeur à l'aide d'un séquenceur. Et détruite par le Joker dans l'explosion du coffre. Harley Quinn a le directeur. Il est notre seule chance de passer les portes. Ok. Bonne chance. Ok. Ça, je prends. Merci bien. Ok. Encore mieux. Une amélioration. Je vais la mettre tout de suite. Ok, je prends ça. Voilà. Maintenant, il faut analyser la scène de crime. Il faut retrouver un indice du directeur. Je sais pas si je vous ai entendu. On y va. Alors, d'après moi, ça doit être la canne qu'elle a coupée, qu'elle a fait tomber l'autre. Harley Quinn. Ouais, c'est ça. J'ai raison, Batman. Elle a jamais été trop futée, Harley Quinn. Jamais. Plus une baoule qu'autre chose, alors. Je vous le dis. J'ai gagné un nouveau défi. Je sais pas ce que c'est. C'est bon, je connais. Je fouille un peu de partout, on sait jamais. Ah mais... À un moment donné, je me suis dit, putain, mais qu'est-ce que c'est ces merdes là ? Bon. Qu'est-ce que c'est ça? Il est tout seul celui-là? Mais
m'expliquer ce qu'il faisait lui là tout seul. Enfin bref. Continuons à suivre cette espèce de salope de Harley Quinn. Oh, un paquet cadeau du Joker rempli dedans. Et une. Ouais, deux. Et trois. Et merde. Tiens. Phase d'infiltration. Allez ! Bon, t'as compris ? Ouais, ouais. Il y en a trois. Je vais faire le tour et je vais les éliminer par derrière, un par un. Bien fait de monter en haut parce qu'ils ont j'ai vu qu'il avait un collier et ce collier quand la bon, peut-être sûrement vu c'est quand le rythme cardiaque descend à un niveau bas ça se déclenche et ça enclenche une alarme et le Joker l'a mis à tous ses sbires pour comme ça s'il y en a un qui tombe dans les pommes qui se fait par Batman il savent qu'il y a quelqu'un qui est tombé dans les pommes et ça c'est un avantage c'est un énorme avantage pour lui. Ça, il dit à ces types, regardez, il y en a un qui est par terre, allez le voir. Allez, regardez, il y en a un par terre. Et là, ce qu'ils ont fait, ils ont trouvé. Maintenant, ça là, comment je les tue tous les deux, là. Ça c'est un truc que je supporte pas. Oh. Il bouge pas. Regardez-moi ça, il bouge pas. Ils restent ensemble. Ça c'est. Putain, vous pouvez pas les éliminer. Il n'y a pas la possibilité d'éliminer deux types à la fois. Dans l'autre, comme City, oui. Mais dans celui-là, non. Vous pouvez qu'éliminer un par un. C'est ça la merde. Et regardez, il bouge pas, hein. Non, boy, non, il bouge pas. Ah non. Putain, comment je vais faire? Comment je vais faire? Je suis à la porte, RS.
simplement. Ouais. Vite fait, bien fait. Et nous dit de garder le tunnel, on garde le tunnel. Le Joker nous dit de tuer la chauve-souris, on la tue. Le Joker m'a dit de tuer ma sœur un jour. Tu l'as fait? Bon sang, ouais. Je l'ai jamais aimé de toute façon. T'es vraiment sans cœur. C'est marrant, il m'a dit la même chose. Je lui ai dit que j'avais pas de sœur. Il m'a... Ok. On va éliminer en premier ceux qui sont armés. C'est parti. Ce que j'ai vu. Le Joker a eu l'air... Il est là! Voilà, c'est fait. Joli. Et ça comme un vieil. Ah, il comptait tirer. Alors c'était que de la racaille. Bon. Bon bah, comme vous en doutez, on va s'arrêter ici. C'est largement suffisant pour cette partie 9 de Batman Arkham Asylum. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu en ma compagnie. De moi, Monsieur Nuzuka DB. N'hésitez pas à laisser des j'aime et des commentaires. Ça fait toujours plaisir de voir des commentaires. Et de voir vous abonner à la Super Team Game. Et d'aller voir ma chaîne solo de... Ma propre chaîne, disons, de Monsieur Nuzuka DB. Voilà. Alors, je vais vous dire... Au revoir. Et à très bientôt.